je vis de cette certitude, parce que l'Évangile nous le dit, que en tout être il y a l'image de Dieu, en tout être il y a une source cachée, inconnue, mais elle existe. Dieu dépose ce don en toute créature humaine. Quand il s'agit de dire à quelqu'un qui n'a pas la foi, je me retiens de dire. Je redoute que je vais imposer Dieu, imposer l'Esprit Saint, qui jamais ne s'impose sans le consentement intérieur. Il y a cette belle image d'Évangile, le Christ vient et frappe à la porte de chacun. La porte du cœur, la porte des profondeurs de l'être. Mais il n'entre pas s'il n'y a pas une adhésion. Il ne vient pas comme s'emparer d'un être par la force, par la contrainte. L'être humain est tellement l'image de Dieu dans la liberté, entre autres dans la liberté, qu'on ne voit pas ce que peut signifier imposer la foi, imposer ce dont on vit soi-même.